Laudetur Jesus Christus, bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière retransmission matinale de la messe du pape en direct. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en direct de la maison Sainte-Marthe, mais en direct de la basilique Saint-Pierre pour suivre cette messe célébrée à l'occasion du centenaire de Saint Jean-Paul II, né le 18 mai 1920 en Pologne, à Wadowice. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Vatican, Vatican News, bienvenue également à tous les auditeurs des médias partenaires, Radio Présence, Radio Notre-Dame, IWTN, Radio Espérance, RCF, la télévision Celles et Lumières, la radio-télévision catholique Elikia de Kinshasa, ainsi que Radio Maria en République démocratique du Congo. Cette messe est donc célébrée sur la tombe de Saint Jean-Paul II. Et le pape va concélébrer avec plusieurs personnalités qui ont connu personnellement le pape Jean-Paul II, notamment le cardinal Krajewski, actuel aumônier apostolique, responsable des œuvres de charité du Saint-Père, qui fut, durant plusieurs années, à la fin du pontificat de Jean-Paul II, son cérémoniaire adjoint. Il a donc soutenu son compatriote Jean-Paul II, polonais comme lui, dans les dernières années de son pontificat, au temps de la maladie, lorsque Jean-Paul II, malgré le handicap de la maladie de Parkinson, avait tenu à continuer à célébrer toutes les liturgies au Vatican et dans les voyages. Parmi les prélats présents également pour concélébrer avec le pape François, Mgr Piero Marini, actuel président des congrès eucharistiques internationaux, qui fut également le cérémoniaire de Saint Jean-Paul II et l'a accompagné notamment dans tous ses voyages. Il faisait partie des visages familiers dans l'entourage de Saint Jean-Paul II et on peut imaginer bien entendu que leur présence ici, Basilique Saint-Pierre, est très émouvante aujourd'hui. Cette messe est aussi un événement pour le Vatican, pour une toute autre dimension plus pratique, puisqu'elle marque aussi la réouverture de la Basilique Saint-Pierre après 2 mois de fermeture. Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus a bouleversé la vie des églises dans le monde entier et au Vatican aussi. Il s'agit de la première messe célébrée en public depuis 2 mois. C'est donc un double événement pour le Vatican. Rappelons également que le pape François, Monseigneur Bergoglio, avait été créé cardinal par Jean-Paul II en 2001. Il y a donc un lien direct, une filiation directe entre le pape Jean-Paul II et le pape François, qui l'a canonisé en avril 2014. Le Saint-Père vient donc d'entrer dans la chapelle Saint-Sébastien où repose le corps de Jean-Paul II. Et nous entrons dans la cérémonie. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere
Santissima Colonna, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, o fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II, Papa, a guidare l'intera tua Chiesa. Ô Dieu, plein de miséricorde, toi qui as appelé Saint Jean-Paul II le pape pour diriger toute ton Église, accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvatrice du Christ, seul rédempteur de l'homme, lui qui est Dieu et vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Nous entrons donc maintenant dans le temps de la liturgie de la parole. Dagli Atti degli Apostoli. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samothrace. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Du psaume 149, le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithares, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe.
qu'il proclame les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo. Alleluia. Darà testimonianza di me, dice il Signore. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Nous l'avons chanté, c'était le refrain du chant du psaume. C'est le peuple d'Israël aimait répéter que le Seigneur aime son peuple. Dans les mauvais moment, le Seigneur aime toujours. C'est la façon dont se manifestera cet amour. Le Seigneur envoyait un homme de Dieu. Et la réaction du peuple était « Le Seigneur aime son peuple et l'a visité. » La foule disait la même chose. En suivant Jésus, en voyant les choses que Jésus faisait. Le Seigneur a visité son peuple. Et aujourd'hui, ici, nous pouvons dire, il y a 100 ans, le Seigneur a visité son peuple. Il a envoyé un homme, il l'a préparé pour devenir évêque et guider l'Église. Faisant mémoire de Saint Jean-Paul II, reprenons cela. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur a visité son peuple en envoyant un pasteur. Et quelles sont les traces du bon pasteur que nous pouvons trouver en Saint Jean-Paul II? Il y en a beaucoup, mais je vais en dire seulement trois.
Comme les jésuites disent toujours les choses trois par trois. La prière, la proximité au peuple et l'amour de la justice. Saint Jean-Paul II était un homme de Dieu parce qu'il priait. Il priait beaucoup. Comme jamais, comment un homme qui avait tellement de travail pour guider l'Église avait tant de temps pour prier? Lui sapeva bene che il primo compito di un vescovo è pregare. Que le premier évêque, que le premier devoir d'un évêque est de prier. C'est ça date pas de Vatican II, ça date de Saint Pierre. Disse e a noi vescovi la preghiera e l'annuncio della parola. Pour nous les évêques, la première mission c'est l'annonce de la parole. Donc le premier devoir d'un évêque c'est de prier et lui il le savait et il l'a fait. C'est le premier devoir d'un évêque, prier. C'est le premier devoir. Il nous a appris que quand un évêque fait l'examen de conscience, c'est vrai qu'il doit se demander « Est-ce qu'aujourd'hui j'ai prié ?» C'était un homme de prière. Deuxième trace, un homme de proximité. Il n'était pas un homme détaché du peuple. Et même, il allait rencontrer le peuple. Il a voyagé dans le monde entier pour aller rencontrer son peuple, pour chercher son peuple, en se rendant proche. Et la proximité est un des traits, des aspects de Dieu avec son peuple. Nous voyons que le Seigneur dit au peuple d'Israël, regarde, quel peuple a eu un Dieu aussi proche que moi avec vous? La proximité de Dieu avec le peuple, ensuite, se devient une soif de Jésus. Elle devient forte en Jésus. Le pasteur est proche du peuple, sinon il n'est pas un pasteur. Il peut être un administrateur, il peut être un bon administrateur, mais pas un pasteur. Il faut la proximité au peuple, et Saint Jean-Paul II nous a donné l'exemple de cette proximité. Il a été proche des grands et des petits, aux proches et aux lointains. Il se faisait proche de tous. Troisième aspect, l'amour de la justice. Mais la vraie justice, pleine. Un homme qui défendait la justice. La justice sociale, la justice des peuples, la justice qui faisait arrêter les guerres, la justice pleine. Ça, Saint Jean-Paul II, pour cela il a été un homme de la miséricorde, et la justice et la miséricorde vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Elles vont ensemble. La justice, c'est la justice. Et la miséricorde, c'est la miséricorde. Mais l'un sans l'autre n'existe pas. En parlant de l'homme de la justice et de la miséricorde, ce qu'a fait Saint Jean-Paul II, il a permis aux gens de comprendre la miséricorde de Dieu. Nous savons comment il a fait avancer la dévotion à Sainte Faustine. Aujourd'hui, sa mémoire liturgique sera pour toute l'Église. Lui, il avait compris que la justice permet à Dieu de manifester son visage de miséricorde, son attitude de miséricorde. C'est un cadeau qu'il nous a laissé. La justice miséricordieuse et la miséricorde juste. Prions-le aujourd'hui
qu'il nous donne à tous, et spécialement aux pasteurs de l'Église, mais à tous, la grâce de la prière, la grâce de la proximité et la grâce de la justice miséricordieuse et de la miséricorde juste. Voilà donc pour cette homélie du Saint-Père qui a donc retracé trois traits qui ont marqué la vie de Saint Jean-Paul II, la prière, la proximité et la justice miséricordieuse. Gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi, nella serena fiducia di essere liberati dai mali presenti e futuri, e di ottenere l'eredità che ci hai promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni Paolo II. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Gloria, o Santa.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre il tuo nome al sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere... Come Astri, l'arciprete della Basilica Saint-Pierre. Con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, apostolico. Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Pur se andare
Je vous rappelle que nous sommes en direct de la chapelle Saint-Sébastien de la basilique Saint-Pierre pour suivre cette messe en mémoire de Saint Jean-Paul II, né il y a tout juste 100 ans dans le village de Wadowice en Pologne. Le pape a donc célébré l'Eucharistie sur l'autel qui abrite la tombe de Saint Jean-Paul II dans cette chapelle Saint-Sébastien qui abrite aussi les tombes de deux autres papes, Pie XI et Pie XII. Nous entendons le chant « Jesus Christ, you are my life », un chant bien connu des millions de jeunes qui ont participé au JMJ durant le pontificat de Saint Jean-Paul II. Fili di Dio nel mondo.
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri susciti in noi la fiamma di carità che alimentò incessantemente la vita di San Giovanni Paolo II Papa e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi. Voilà, nous en arrivons donc au terme de cette messe célébrée sur la tombe de Saint Jean-Paul II au centième anniversaire de sa naissance, pardon, et un petit peu plus de 15 ans après son décès le 2 avril 2005. Le pape a rendu hommage à son prédécesseur en évoquant son sens de la prière, sa proximité avec le peuple et sa justice miséricordieuse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous rappelle également que la basilique Saint-Pierre rouvre aujourd'hui. Cette messe marquait donc la fin du confinement au Vatican. Bonne semaine à toutes et à tous. Laudetur Jesus Christus. Jestem ubogim człowiekiem.